Est-ce que vous vous souvenez de cette époque où nous n'avions pas de problème ? La tromperie est le nerf de la guerre. Messieurs, dames, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve de retour sur MW3 pour une vidéo nostalgie. J'ai eu un flash, j'étais sur TikTok et je suis tombé sur un live d'un mec qui jouait en mode survie sur MW3, donc vous savez les opérations spéciales où en gros fallait survivre face à des vagues de zombies. Enfin non, du coup pas des vagues de zombies, mais des vagues d'ennemis, hein. Les missiles Predator, enfin souvenez-vous de tout ça, incroyable. Et je me suis dit mais c'est pas vrai, j'ai MW3 sur Steam, je pense que c'est le moment de le réinstaller juste le temps d'une vidéo, se remémorer des bons souvenirs quoi. Ah résistance les gars, résistance. Ah là 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 là. Moi j'y ai joué sur PS3 quand j'étais plus jeune. Là ce que vous voyez c'est sur PC, ça date de y a quoi, 3-4 ans qu'on avait réinstallé le jeu à l'époque. Je lance résistance, je veux retourner à Paris. Moi ça m'a fumé quand j'ai découvert que cette rue existait pour de vrai quoi. Oh my fucking god. On y est là? Oh. Regardez-moi ce jeu. Regardez-moi ce jeu. Des ennemis approchent de votre position. Regardez-moi ce jeu. Vous et utilisez toutes les ressources disponibles. Oh, regardez-moi ce vrai jeu où il n'y a pas de plongeon. On peut pas. On pouvait pas plonger. On pouvait pas faire des glissades. Je ne sais pas quoi. On pouvait pas faire grand-chose en fait. Oh là là, regardez-moi ce jeu de zinzin. Il n'y avait aucun recul sur les armes aussi. Ah, c'était particulier. Attends, viens voir. Incroyable. Incroyable, ça va rappeler tellement de souvenirs. Oh la double. Hop, la première vague terminée. Ok, donc on peut commencer la vague en appuyant sur F5, c'est vrai, on pouvait racheter entre chaque vague des munitions, des atouts, etc. Vraiment sympa. Les amis, on approche de toutes les directions. Et franchement, pour les anecdotes un peu que je peux vous raconter, bon déjà, donc évidemment, cet endroit existe pour de vrai à Paris, à peu près, hein, parce que en fait, la tour Eiffel n'est pas placée ici dans la réalité. Mais cette ruelle existe à peu près. Et je rêverais un jour d'y aller, mais apparemment c'est pas si fou que ça non plus quoi. Et le pire c'est que je suis dégoûté, une fois j'ai fait une sortie scolaire à Paris et on était passé juste à côté, je ne le savais pas à l'époque. Je ne le savais pas. Sinon évidemment j'aurais demandé à mes profs d'aller ici. Incroyable, ça c'était du vrai jeu ça. Ça c'est du vrai jeu. Corps à corps. On a joué sur les mêmes accords. Ouais, franchement, c'était vraiment quelque chose. Hein. On pouvait même pas augmenter la FOV, je crois. Le champ de vision, on pouvait même pas le changer. Et ouais, pour les anecdotes, bah, c'était sur PS3, c'était sorti quoi, en 2012, 2013, je sais plus. Pour moi, c'était un des premiers Call of. Oh, les chiens d'attaque, oh mon dieu. C'était un des premiers Call of auxquels j'ai joué. Alors, il y avait World at War aussi, mais j'ai pas fait dans l'ordre. Mais ouais, MW3, c'était le premier Call of, je crois. Hein, sur lequel j'ai joué, personnellement, quand j'étais plus jeune. Pas bien. J'étais très enfant. Ah ! Sale chien va. C'est le cas de le dire. Voilà. Voilà, hit marqueur bien sûr. Hop, t'es mort. Hop, t'es mort. Attends-toi. Voilà. Ah, c'était vraiment chouette. Hein. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est des Russes en face de nous là. Et je me souviens, en fait, on campait toujours là dans ce bâtiment quand ça devenait dur. On se mettait là, on campait là et on était avec notre MP5. Je vais l'acheter d'ailleurs la MP5, la mitraillette là, incroyable. J'y vais direct. Et je me souviens avant d'aller à l'école, à l'époque c'était à l'école primaire ou au collège, je sais plus. Et ben avec un de mes copains, on jouait au jeu. C'était absolument incroyable. Et si jamais tu passes par là, j'espère que tu te reconnaîtras, voilà. Parce que c'était incroyable. C'est absolument incroyable. Je suis nostalgique de zinzin, voilà. Voilà, tu t'attendais tranquillement. Bon évidemment ça devenait de plus en plus dur. Hein. Là on est vague 4, c'est relativement facile. Et j'ai tellement de bons souvenirs. Continue comme ça. Je crois que la prochaine manche, il y a des mastodontes déjà. Hein. Alors attendez. Soutien aérien. Et là, tu vas prendre le missile Predator. Missile Predator paré au lancement. Je sais pas du tout comment il faudra l'envoyer. C'est vrai ça, comment on fait pour envoyer le missile Predator? Je ne sais pas. On verra. Allez. Ah ouais, tu pouvais aussi appeler des mercenaires pour nous aider. Oh là 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 là. Désolé, je parle pas. Je suis tellement à fond là. Voilà, vague 5 terminée, facile. Putain, les clés morts c'était dingue. Tu les mettais là dans les coins en multijoueur, tu les cachais, personne ne les voyait, tout le monde se les prenait. C'était tellement bâtard. Tu mettais là clé mort ici. Tu faisais pareil, tu mettais là clé mort là. Les renseignements indiquent des hélicos ennemis dans votre espace aérien. Ah ouais, il y a des hélicoptères. Alors les hélicoptères, eh ben c'était très simple. Missile Predator. Oh là là, incroyable. Oh, c'était incroyable. Et là tu tires. Missile Predator allié en approche. Oh là là.
Et là, tu venais vite rechercher le deuxième missile Predator avant de mourir, là. Voilà. Putain. Oh, j'ai eu chaud au kiki, là. Là, j'ai eu chaud au kiki. Donc là, tu renvoies le dernier. Le dernier hélicoptère. Ok. Ok, c'est bon. Oh, j'ai eu chaud là. Section Delta, voilà. Et ben ça, attends, vas-y. Je vais les appeler. Et ben du coup, c'était les collègues. Arrivée d'une task force sur votre position. Voilà. Là, il y a les collègues qui vont venir nous aider. C'était génial ça. Parce que moi, je me souviens, j'avais trop peur moi à l'époque quand j'étais petit. Jouer tout seul, j'avais trop peur. Alors, on jouait toujours en écran scindé avec mon copain. Mais j'avais trop peur quand j'étais tout seul. Donc, du coup, j'appelais toujours une task force avec nous, tu vois. Voilà. Alors, ils étaient que 3 malheureusement. Patron, justice, soyez prudents, Bishop. Les ennemis auraient du C4 caché sous leurs vêtements. Ah, il nous envoie des kamikazes. Alors du coup moi je restais toujours avec eux. Voilà. Là ils se prennent toutes mes clés morts. Alors toi te relève même pas. Hop là. Attention les jeunes, grenades. Voilà. Ah, c'était quelque chose hein, ce jeu hein. Et franchement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà joué à MW3 à l'époque? Est-ce que, voilà, quel était votre meilleur Call of que vous avez préféré? Est-ce que vous avez kiffé ce jeu-là? Combien de temps vous y avez passé? Et sur PS3, je l'ai poncé. C'est hein. Terminé. Bon travail, messieurs. Sur PS3, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Ça, c'est un truc de dingue. Ça a pété. Ok. Incroyable. Et ça se passe super bien. Par contre, j'ai perdu un collègue, je crois. Carnage. Je me suis trompé de touche. Ah ouais, putain, on pouvait acheter section bouclier anti-émeute, c'était encore mieux parce que eux, ils étaient beaucoup plus résistants. Ils étaient avec des boucliers et tout, ils venaient nous protéger autour de nous, c'était génial. Et en plus, du coup, ils nous offraient un bouclier gratos, et ça, c'était chouette. Ouais, et les souvenirs qui reviennent, c'est dingue. Et ouais, vraiment, regardez, si on fait le tour de la map un petit peu, c'était quand même assez, assez bien fait, les boutiques et tout. Et je me souviens, sur Google Street View, j'avais vérifié, mais c'est à peu près pareil en vrai, et c'est vraiment dingue. Alors on avait la map Village, je m'en souviens, c'était pas une de mes maps préférées, mais en multijoueur, j'aimais quand même bien. Interchange, je déteste cette map. J'ai toujours détesté cette map, je sais pas vous, mais je pense que pour la plupart, Interchange, ça doit pas être des bons souvenirs. Et je disais toujours Interchange. Underground, ah ça c'était une belle map ça. Ça c'était une très belle map. Dome évidemment, la map emblématique de Call of Duty. Mission, c'était une chouette map en multijoueur. Vraiment ça, j'ai adoré. Sea Town, pas terrible. Par contre, ça me fait penser à Gotaga quand il faisait du compétitif. Carbon, j'ai plus trop de souvenirs. Et là, on vient de débloquer les 4 autres maps d'après. Oh là là, Fallen, c'était une map de zinzin, j'adorais. Outpost, pas terrible. Hardhat, évidemment, emblématique. Bootleg, plus trop de souvenirs. Par contre, ouais, Fallen, c'était une map... j'ai adoré cette map. Il y avait une mission, je me souviens, en fait, on était des snipers. Et c'était trop bien parce qu'il fallait être ultra coordonné. Je sais plus c'est laquelle, la mission. Ça doit être ça, justement, résistance. Escorter un maximum de rebelles jusqu'à la zone d'atterrissage, rester silencieux. Il me semble que c'est celle-là où t'es un sniper, non, au début. Oh putain, mais c'est exactement ça. C'est le moment de leur rendre l'appareil. Et en gros, tu te mettais là. Oh, c'est dur. Là, normalement, quand t'étais à deux, avec mon pote, il y en avait un qui prenait celui de gauche et un qui prenait celui de droite. Mais là, tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il est mort. C'est bon. Ok, parfait. Ah, ça, en fait, c'est jouable tout seul quand même. Là, il faut que je reste ultra discret. Là, on a un otage. Venez avec moi. Oh, comment je me suis fait cramer. Joli. Oh, j'ai eu chaud. Ça va, mon ref? Merci pour votre aide. C'était incroyable. Et aujourd'hui, tout le monde veut jouer à des jeux genre... pour libérer des otages comme ça, tu sais, genre les jeux... Putain, j'ai failli me faire cramer. Ready or not, vous savez, les genres de jeux comme ça, alors que...
On avait littéralement un jeu qui nous permettait de le faire. Je suis sous pression. Attends, je peux faire une double. Cible neutralisée. Ok. Ok, j'ai fait la collate. C'était incroyable. Ils nous ont ferré, descendez. Quoi ? Oh non. Oh non, les civils, ils sont morts. Oh non. Oh non. C'est injuste. On s'est fait massacrer. Oh, les souvenirs des sons quand même, c'est incroyable. Ah, je suis deg. Ah, mais ça fait du bien. Ouais, non, franchement, voilà, petite vidéo détente sans prétention, sans prise de tête. Je voulais vraiment retourner dessus un petit coup, rapidement, pas longtemps, juste pour m'amuser. Je vais pas refaire des vidéos sur le jeu, forcément, mais j'avais juste besoin de retrouver ce moment et de vous repartager en espérant que, pour les nostalgiques, pour les anciens qui ont joué à ce jeu, est-ce que ça vous a peut-être refait revivre certaines choses? Je ne sais pas, mais c'est tout ce que j'espère. J'ai hâte de voir ça en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, le like, le dislike. Et puis l'abonnement, bien sûr, si ce n'était pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Ciao tout le monde!